Bienvenue dans votre agence du siège de la Société Générale à Mundo. Cette agence a été complètement transformée. Vous l'avez peut-être vu en bas, c'est une agence qui, à travers laquelle nous voulons montrer au marché toute l'offre digitale que nous voulons développer sur le marché bancaire marocain, en tenant compte aussi bien de l'attente de nos clients, qui de par leur comportement sont de plus en plus dans la posture de consommer la banque à distance, à travers différents canaux, là où ils veulent, quand ils veulent. C'est une agence qui, comme vous l'avez remarqué, visera davantage à permettre de développer le relationnel bancaire en l'isolant du transactionnel. Notre souhait, c'est d'aller de plus en plus vers une logique où le transactionnel peut être fait à travers différents canaux et que l'on puisse se permettre de développer l'autonomisation du client par rapport à l'agence bancaire classique et que l'agence devient le lieu où le client vient recueillir du conseil, vient bénéficier de l'expertise de nos conseillers de clientèle et vient s'équiper en produits de banque et assurance selon la large gamme de produits que nous proposons. Dans toutes les grandes villes du pays, mais pas que, puisque nous voulons aussi multiplier, rénover un certain nombre de points de vente dans notre réseau actuel, à Casa, à Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger, Fès et partout dans les villes de taille grande et moyenne, pour proposer à notre clientèle ce nouveau dispositif de format d'agence qui allie encore une fois notre forte volonté de nous inscrire dans une logique digitale et dans une logique de développer l'autonomisation du client par rapport transactionnel pour bénéficier davantage du temps commercial qui sera en conséquence libéré de nos conseils de clientèle pour bénéficier de nos conseils, de notre expertise. Alors le bilan est d'abord chiffré puisqu'à fin juin nous venons d'arrêter nos résultats et nous avons tenu le conseil de surveillance ce matin et le conseil s'est félicité de nos résultats puisqu'en résultat consolidé à fin juin nous faisons 1%, sous-tendu aussi bien par le bon comportement des résultats de la banque que par le comportement des résultats des filiales comme Ecdom, Sogilis ou la Marocaine Vie. Et nous pensons que d'ici fin d'année, on continuera sur cette lancée-là et que toute la transformation que nous sommes en train de mener va nous permettre de continuer, de prolonger cette belle aventure. Mais les résultats ne sont pas que de chiffrer, les résultats c'est aussi d'améliorer à travers tout ce que nous sommes en train de faire et de continuer à entretenir l'image d'une banque qui se veut de plus en plus au service de son client, une banque qui veut de plus en plus offrir au client tout ce qu'il peut attendre et toute la vague digitale que traverse le pays, nous voulons y répondre à travers les offres que nous proposons à nos clients dans nos agences et à travers les différents autres canaux de distribution, que ce soit le centre d'appel, l'application mobile, le site internet, etc.